Bienvenue au NES, Numeric Epon Show 2017, deuxième édition. On va plonger dans ce petit salon avec beaucoup de surprises. C'est parti pour la pause geek du NES 2017. Avec Jean Dupré, directeur général d'Event to Give, qui organise donc le NES 2017. Merci, ouais, j'organise donc le NES, c'est le NES 2017, c'est la deuxième édition. Alors le NES, qu'est-ce que c'est? C'est pas qu'une console de Nintendo, hein, c'est un acronyme qui veut dire le Numérique Epon Show, puisqu'on est à Epon, et voilà, on organise ça avec Event to Give. Donc Event to Give, c'est un organisateur d'événements de jeux vidéo qui existe depuis 2007. Et évidemment, dans Numéric Epon Show, il y a Epon. On organise ça aussi avec et à la demande de la ville d'Epon pour mettre en avant justement le numérique au travers du monde du jeu vidéo. Mais d'où ça vient? Parce que c'est assez étonnant de trouver un salon comme ça ici. Alors pourquoi l'avoir créé ou organisé? C'est une excellente question, puisque justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure en préambule, c'est vraiment une volonté des élus d'Epone de montrer quelque chose de nouveau sur leur territoire, pour leurs citoyens aussi, de leur proposer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et aujourd'hui, si tu veux, la filière du numérique, on en entend parler à tout bout de champ et en travers de plein de véhicules, on va dire, le jeu vidéo pas encore assez souvent, d'accord. Il y a peut-être encore un peu trop de préjugés dont souffre le jeu vidéo, et finalement voilà, les élus d'Epone, ils ont voulu aller à contre-courant ça pour proposer quelque chose de super à leurs citoyens, et c'est ce que tu as là avec le NES. Et par rapport à la première édition, quel est le premier ressenti, on va dire, de la deuxième? Déjà, le premier ressenti, c'est d'être très satisfait d'avoir toujours la confiance des élus pour pouvoir réitérer ce genre d'événement. Ensuite, pour le NES 2017, c'est une véritable réussite. Tu iras faire probablement un petit tour tout à l'heure, tu verras, tout est blindé. On a aussi énormément de nouveautés en termes de stands, en termes d'éditions de jeux, en termes de tournois aussi, en termes de personnalités qui viennent nous voir. Voilà, il y a plusieurs champions de France, de FIFA, de Tekken. Il y a Genius qui est animateur sur les chaînes Game One, Canal+, bientôt Gulli, il me semble, enfin voilà. Tout ça sont des réussites, on est très content de réussir à les faire bouger jusqu'à Epone pour parler de jeux vidéo, pour voilà, pour montrer cette culture sous son meilleur jour. On a aussi, je tiens à le dire, on reçoit des cosplayers. Donc voilà, les cosplayers, ce sont les gens qui se costument
et qui ne se déguisent pas, qui se costument en leurs personnages de manga, de jeux vidéo favoris. On en a des très très bons qui aujourd'hui travaillent carrément avec Disney. Alors il y a Lillian de Moon qui a fait son costume de la Reine des Neiges, il y a Anne Jones qui est venue en Captain America. C'est super de les voir ici à Épône avec les Éponois pour partager ce moment vidéoludique. Voilà, c'est ça les réussites du NES. Ben merci beaucoup et on espère que ce week-end se passera très bien. Ben merci à toi, on espère aussi que vous allez profiter de ce week-end avec nous et probablement à l'année prochaine pour la prochaine édition du NES. Et un dernier petit mot aussi, puisque cette réussite c'est aussi celle des bénévoles et toutes les équipes que tu vois là qui travaillent d'arrache-pied pour proposer ce genre d'événement. Donc voilà, bravo à eux, bravo à tous, bravo aux festivaliers et je te remercie pour ton interview. Bien précisé, Jean Dupré, Genius était présent, se baladant dans les allées, présentant les stands avec Franck Fontaine, le grand Manitou, entre guillemets, du salon. Du coup, on est allé voir et on lui a demandé une petite interview. Nous sommes avec Norman Genius, présentateur, grand joueur, jeu vidéo, qui est présent sur le salon et qui l'anime quasiment un petit peu. Alors, première question, pourquoi être présent ? Déjà bonjour à tous, voilà, moi je m'appelle Norman Châtrier alias Genius, je suis animateur chroniqueur à la télévision et joueur professionnel de jeux vidéo. Moi je viens ici déjà pour rencontrer les gens, voilà, tous ceux qui me suivent sur les différentes émissions de télé, les différents tournois. Je viens pour l'encontrer, je viens pour jouer avec eux et je viens pour animer le salon sur différents jeux, que ça soit sur scène, que ça soit sur les jeux de combat évidemment, ma spécialité, ou les jeux de foot, voilà, mettre un petit peu d'ambiance, essayer de me diversifier et de faire un petit peu le foufou avec tout le monde. Et faire le foufou avec tout le monde, ça finit par se demander comment trouves-tu le salon, pardon. Je suis perdu dans mes mots, moi, à force. Oh, c'est pas grave, les mots. Bah écoute, le salon, je trouve que, je disais la dernière fois à Franck Fontaine et toute son équipe, que chaque année, il arrive à améliorer le salon, que ça soit déjà la qualité du salon, l'emplacement, les stands, la qualité des stands, le nombre de jeux qu'il y a, l'organisation. À chaque fois, chaque année, c'est de mieux en mieux et c'est ça que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est super. Il y a le côté convivialité qu'on a un petit peu plus rarement en ce moment dans les grands salons où c'est un petit peu plus l'usine, on va dire. Mais voilà, il y a le côté vraiment diversifié. Le côté qualité et le côté convivialité moi, que j'aime beaucoup, que je retrouve ici dans le salon Event to Give, au NES. Mais c'est la première fois que tu viens ou la première édition, tu étais là, je sais pas. Non, moi je viens depuis la création du NES, tous les événements de Event to Give, je viens depuis très très longtemps. Je vais pas dire les débuts mais presque, donc voilà, c'est pour ça que je dis que chaque année c'est mieux, parce que j'ai vu l'évolution vraiment du salon. À chaque fois il propose quelque chose en plus, du gaming et aussi de l'e-sport. Donc vraiment, il y a un petit peu, comme on dit, à boire et à manger, comme on dit l'expression. Et c'est pour ça que je dis que j'ai vu l'évolution, j'ai vu Franck Fontaine à chaque fois faire en sorte d'améliorer le salon. Et chaque année c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus fun, il y a de plus en plus de monde et c'est de plus en plus convivial. Donc voilà. J'aime beaucoup et je serai présent chaque année. Merci beaucoup pour ce petit moment, pour cette interview, même si j'ai pas bafouillé pour mes questions, mais c'est pas grave. Voilà, encore merci. Mais on bafouille tout, c'est pas grave. Allez, des bisous et vive Épone. Autre personnalité qui était présente au salon, Bruno Millième, le député de la 9e circonscription des Yvelines. Donc nous sommes avec monsieur le député Bruno Millième, le député de la 9e circonscription des Yvelines, qui est présent sur le salon. Alors, comment trouvez-vous ce salon ? Moi, je trouve que c'est une excellente initiative de la part de Franck Fontaine, puisque c'est lui l'organisateur. Rendons à César ce qui lui appartient. Il y a une animation à l'intérieur de la salle du bout du monde. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la passion des gens, des plus petits aux plus grands. Hein, parce que j'ai été faire un tour sur le stand des jeux vintage. C'est amusant à voir, parce qu'il y a des petites 4-5 ans qui jouent à Mario. Et puis il y a papa qui est en bout de table et qui joue aux jeux de voiture comme on jouait nous il y a 30 ans. Donc voilà, donc tout le monde est bien plongé dedans. Là, il y a eu un concours de FIFA 2018. Le niveau était juste incroyable. Donc c'est une excellente initiative qui est assez représentative finalement de ce qu'est la société aujourd'hui et de la façon dont les jeunes se sont emparés de toute cette culture numérique, beaucoup plus fort que nous évidemment, puisque nous on était au début de cette culture-là, même si on a pu les uns et les autres se passionner pour certains jeux, on voit que là eux ils se passionnent pour carrément l'ensemble de la culture, puisqu'on a même vu la démonstration de cosplay, on a bien vu que les gens étaient intéressés, donc c'est vraiment une vraie culture
qui n'est pas en train de naître parce qu'elle est, elle existe déjà, mais qui prend vraiment et qui prend à tous les âges, du plus petit gamin, 3-4 ans, jusqu'aux ados et aux jeunes adultes, quoi. Et puis les papas qui viennent se remémorer, les papas et les mamans qui viennent se remémorer, ce qu'ils faisaient aussi dans le temps parce qu'ils avaient ça dans leur salon. Alors, je vais vous poser une question un peu originale par rapport à ce type de salon. Parce que sur le secteur, on va dire qu'il y en a à peu près trois maintenant. Il y a les Bulles de Menthe, et un peu dans le même style au niveau animation. Il y a le salon de la BD à Verneuil, et ici, le NES. Est-ce que vous pensez qu'il faut que ça se multiplie ? Moi, je pense que toutes ces initiatives, enfin tous ces salons, appelons ça des salons, je pense qu'il faut que ça se multiplie, qu'on cultive cette espèce de passage qu'on a connu quand même du 20e au 21e siècle, espèce de changement de paradigme, de culture en tout cas. Il ne faut pas évidemment abandonner ce qui existait avant. C'est pour ça que notamment le salon de la BD, c'est important, tout ce qui est lecture, etc. Mais ces nouvelles technologies, c'est bien que les gens s'en emparent et les prennent à leur compte, quel que soit l'âge de la personne, parce que de toute façon c'est ce qui va nous préoccuper demain, c'est avec ça qu'on va vivre demain. Vous le voyez bien partout, toutes les applications, parce que là on fait du gaming, mais toutes les applications numériques qu'on retrouve dans notre vie de tous les jours. Moi j'étais au salon des maires il n'y a pas très longtemps, il y a des applications maintenant pour faire de la domotique de la commune, donc domotique de la commune, c'est-à-dire que vous gérez depuis la mairie tout le chauffage, l'électricité, etc. Donc tout ça, ça va nous envahir de plus en plus, l'intelligence artificielle arrive, et c'est bien de voir que les jeunes qui sont là s'emparent des choses comme ça, parce que demain, ce seront eux les acteurs du monde économique. Merci pour ce petit moment, puis cette interview, puis votre ressenti. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Merci beaucoup. Faut pas se leurrer, faut pas se dire, c'est comme les youtubeurs, faut pas se dire je vais arriver, je vais être genre prochain jeu vidéo et je vais gagner ma vie. Non, ça c'est faux. On est encore loin du football, encore loin du tennis, encore loin du vrai sport. On quitte la salle du bout du monde à Épône, où se tenait le NES numérique. Épône Show 2017, deuxième édition, organisé par Event2Give. Voilà, donc ce petit salon de jeux vidéo qui était très sympathique, avec plein de surprises comme vous avez pu voir. Donc j'espère que ça vous a plu. Il y a plein de concours et plein de résultats qui vont être annoncés sur les deux jours. On était là que samedi, donc forcément vous n'aurez pas tout. Mais bon, ça se retrouve, hein. Vous allez sur le site d'Event2Give, à mon avis ils auront mis les résultats, puisqu'ils avaient organisé les bulles de vente la dernière fois, et ils avaient mis aussi les résultats sur leur site, donc vous retrouverez sûrement tout ça. Voilà, nous on va se quitter avec les photos de cosplayers, hein. Le jury de cosplay en a fait quelques photos évidemment. Tout simplement. Et puis on se dit à la prochaine, hein. Je sais pas quand, parce que la dernière fois je vous avais dit c'était la dernière pause geek de l'année, finalement il y en a une autre, peut-être une autre, alors on verra bien. Voilà, tout simplement. Allez, à la prochaine. Salut.